l'unité pour permettre au chef de l'État et son homologue chinois de resserrer les liens d'amitié, mais surtout de coopération entre leurs deux pays. Coopération qui se renforce également dans l'agriculture, un secteur que l'État togolais lui-même s'emploie à redynamiser et booster. En témoigne la toute nouvelle réforme de distribution des engrais mise en place et qui est expliquée aux producteurs par le ministre en charge de l'agriculture. Et puis à la une également de l'actualité ce lundi, le verdict dans le procès d'Hissène Habré. L'ex-dictateur tchadien est condamné à la prison à vie par la Cour spéciale de Dakar. C'était les principaux titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Et nous ouvrons ce journal par ce communiqué du gouvernement. Communiqué du gouvernement. Le président de la République, chef des armées et le gouvernement ont été informés du décès tragique de 5 militaires du contingent togolais de la mission de stabilisation des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Ces militaires sont décédés le 29 mai 2016 suite à l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule blindé au cours d'une mission déployée dans les environs de Sévaré, une localité située au nord du Mali. Le président de la République, le gouvernement et le peuple tout entier, profondément émus et attristés, expriment leur profond respect pour le sacrifice de ces soldats tombés au service de la paix. Ils adressent leurs sincères condoléances aux familles éplorées ainsi qu'à leurs proches. Ils les assurent de la pleine solidarité de la nation en ces douloureuses circonstances. Le chef de l'État et le gouvernement restent attentifs au sort de tous les membres du contingent togolais, dont l'engagement, le sérieux et l'exemplarité font honneur à la patrie. Le président de la République, chef des armées, salue le courage et la ténacité des hommes et des femmes des forces armées togolaises qui poursuivent leur mission aux côtés de l'armée malienne et des autres forces des Nations Unies pour ramener la paix et la stabilité au Mali. Fait à Lomé le 30 mai 2016, le gouvernement. Et le président chinois Xi Jinping a également présenté les condoléances de son pays après le décès de nos compatriotes casques bleus. Il s'est exprimé lors de la visite d'État du président togolais. Le chef de l'État, Forest Swazimna Nyazinge, est donc en visite d'État en Chine. Il s'est entretenu ce lundi après-midi à Beijing avec son homologue chinois Xi Jinping. Les deux chefs d'État ont évoqué les dossiers de politique internationale, la situation sécuritaire en Afrique et la lutte contre le terrorisme. Et en marge de cet entretien, deux conventions ont été signées. La première, d'un montant de 39 milliards de francs CFA, porte sur l'extension de l'aéroport international de Lomé, l'aéroport Nyazinge-Yadema, avec la construction de deux terminaux qui viendront s'ajouter à la nouvelle aérogare inaugurée fin avril. La seconde concerne la construction du barrage d'Adjarala. Le financement de près de 36 milliards de francs CFA est assuré par Exim Bank of China. Les deux conventions qui portent sur des prêts concessionnels ont été signées par Hadi Otet Ayessor, président d'État togolais en charge de l'économie,
des finances et de la planification du développement, et Gao Yuchen, le ministre du commerce de l'État chinois. Le gouvernement chinois a par ailleurs annoncé un effacement partiel de la dette au 31 décembre 2015 et l'ouverture de discussions afin de revoir la conditionnalité des prêts accordés de manière à ce qu'ils soient plus favorables. Et c'est hier que le chef de l'État est arrivé dans la capitale de l'Empire du Milieu pour 4 jours de visite d'État. Outre l'entretien avec son homologue chinois, le président Nyazimbe visitera plusieurs grandes villes et rencontrera d'autres dignitaires de ce pays. Augustin Kossi. Visite officielle du président togolais Faure Gnassingbé en République populaire de Chine du 29 mai au 2 juin 2016. Un déplacement qui fait suite à la rencontre entre le chef de l'État togolais et son homologue Xi Jinping lors du sommet Chine-Afrique tenu en décembre 2015 à Johannesburg en Afrique du Sud. À l'instar des relations diplomatiques entre la Chine et le Togo, les relations économiques et commerciales entre les deux pays se sont également raffermies. Les deux présidents aborderont entre autres les questions de coopération bilatérale, de développement ainsi que l'assistance énergétique et industrielle. Dans le domaine des infrastructures par exemple, de nombreuses réalisations confirment l'excellence des relations entre Lomé et Pékin. L'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé, tout comme le centre hospitalier régional de Lomé, sont les fruits de ce partenariat. Un partenariat qui booste la compétitivité économique togolaise. Le président Xi Jinping a manifesté sa volonté de faire de la zone du port autonome de Lomé un pôle industriel. Une ambition qui rejoint d'ailleurs celle du Togo, qui souhaite renforcer cette coopération surtout dans les domaines des infrastructures rurales, urbaines, sanitaires et socio-éducationnelles. Et je vous l'annonçais, la première convention signée cet après-midi du côté de Beijing concernant donc l'extension de l'aéroport international Gnassingbé Yadema. La convention a été signée entre le ministre d'État togolais en charge de l'économie Adi Yotet Ayastor et son homologue, son collègue du commerce chinois Gao Yuchen. Nous reviendrons sur d'autres aspects de cette visite d'État du chef du président de la République en Chine dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique a entrepris une tournée à travers le pays. Objectif, partager avec les acteurs du monde agricole la réforme de distribution des engrais mise en place par le gouvernement cette année. L'étape de Kara avec la correspondance de Lamarck Bojona. Nous reviendrons donc tout à l'heure sur cette sensibilisation sur la réforme de distribution des engrais, l'étape de Kara, dans le courant de cette édition. Si tout va bien, et toujours à Kara, les acteurs de la filière coton en réunion de concertation pour la préparation et la gestion de la campagne agricole 2016-2017 viennent de se séparer. Ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de points pour mieux entamer la nouvelle campagne. Et de Kara, nous retrouvons la marque Bojona. 81 000 tonnes, c'est la production totale de la campagne cotonnière écoulée contre 113 000 tonnes lors de la campagne 2014-2015. Cette contre-performance est due aux caprices pluviométriques. Cependant, il est à noter que les producteurs ont bien réagi face à ces caprices pour arriver à ce résultat. C'est du moins ce qu'il faut retenir de la réunion de concertation de la filière cotonnière à Kara. Nous avons fait ce bilan qui nous a fait ressortir
que la campagne 2015-2016, qui s'est achevée, a connu une baisse en termes de production de l'ordre de 28%. Mais il faut dire que dans toute la sous-région, on a eu un sérieux problème de pluviométrie. Et les filières sœurs des pays voisins, il y a des baisses de production qui sont allées jusqu'au-delà de 30%. Dans ce contexte, même avec le niveau que nous sommes arrivés pour la campagne précédente, nous pouvons nous féliciter et surtout féliciter les producteurs pour leur capacité à rebondir même en situation difficile. Il y a quelques semaines, la NSCT était dans toutes les préfectures du Togo pour récompenser les meilleurs cotonculteurs et cotoncultrices. En tout, 131 lauréats ont ainsi été primés. Cette table ronde a permis aussi de faire une ébauche sur une éventuelle institutionnalisation de ce programme de récompense. Il se trouve que ça a été une opération qu'on vient de démarrer. Et lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, ça a été l'objet des doléances formulées par les producteurs. C'est de nous demander de ne pas nous arrêter là-dessus parce qu'ils pensent que ça peut les aider à les pousser à l'excellence. Et donc, les réflexions vont se poursuivre pour voir dans quelle mesure ça peut être institutionnalisé. Est-ce qu'il faudra l'institutionnaliser? Est-ce que c'est annuel, biannuel, triannuel? C'est des réflexions à mener. Pour la campagne qui vient d'être lancée à travers cette rencontre, la NSCT et les producteurs de coton envisage d'atteindre 130 000 tonnes de coton pour une superficie emblavable de 130 000 hectares. Agriculture, toujours 99 groupements dans la région des savanes ont reçu un important lot de matériel agricole dans le cadre du PNPE. Entendez, programme national pour l'entrepreneuriat rural, un prolongement du PADAT pour soutenir les producteurs à la base et relancer la filière agricole. Désiré Aloy, depuis Dapan. Le Togo, ces dernières années, fait de l'agriculture une pierre angulaire, un maillon pour booster l'économie. L'atteinte des objectifs demande un soutien en amont et en aval. Un plan de relance encadré par le PENIASA. L'une des composantes de ce dernier est le PADAT, un programme prolongé par le PNPR, Programme national pour l'entrepreneuriat rural, pour appuyer davantage les producteurs. Ainsi, un important lot de matériel composé de décortiqueuses, de batteuses, de banneuses, des bâches, de dispatteuses, des râpeuses et presseuses de manioc pour les organisations paysannes des savanes. Un soutien qui fait partie d'un mécanisme global pour réaliser des performances du jour au jour dans le secteur agricole. Nous sommes très fiers de ce don qu'on nous a remis. Nous remercions le gouvernement qui a pensé à nous les agriculteurs. Nous lui promettons que l'année prochaine, on va faire plus que ça. Ça, là, franchement, du moment de côté, il y avait des bagarres entre nous et nos femmes. Parce qu'il y a une femme qui peut produire de côté 20 ou 30 sacs pour taper ça. C'est pas facile. On cherche ça, on ne sait pas là où on devrait trouver. Mais on a appris que l'État voulait nous aider. Nous pensons que c'était de la même chose. Mais aujourd'hui, il y a ça en main. Franchement, ça va nous aider à faciliter le travail. Le gouvernement togolais est déterminé dans cette politique agricole, base du développement, donc de croissance économique. La disponibilité des producteurs devient une nécessité pour réaliser le rêve. Ces organisations paysannes ont été minutieusement identifiées et retenues sur des critères techniques qui leur permettent de mettre en valeur ce matériel. Je voudrais, au nom des populations de la région des savanes, remercier le gouvernement pour ses nombreux efforts en vue de transformer l'agriculture togolaise et exhorter les producteurs qui vont bénéficier de ce matériel à l'utiliser. Dans tous les cas,
En tant que techniciens du ministère de l'Agriculture, nous sommes là pour le suivi de ce matériel et pour les conseils. Ce lot vient prolonger la liste de 200 autres matériels agricoles déjà distribués dans la région des savanes. Les producteurs ont félicité le chef de l'État pour ce soutien et par la même occasion ont plaidé pour que les intrants soient disponibles dans les magasins à temps. Le rapport national du Togo au titre du second cycle de l'examen périodique universel est soumis à validation à Lomé. Pendant 5 jours, les membres de la commission interministérielle de rédaction des rapports initiaux et périodiques vont améliorer le document puis procéder à sa validation. Le rapport sera présenté devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en octobre de cette année. Solange Diatto, Tchassina, Baga. Le Togo prépare son passage devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le compte du deuxième cycle de l'examen périodique universel. Pour cet exercice, le pays met en relief son engagement à respecter et à promouvoir les droits humains. Un rapport a été élaboré dans ce sens de façon participative avec tous les acteurs impliqués. Il s'agit au cours des présentes assises de finaliser le document en vue de son adoption. Faire en sorte que le contenu du rapport réponde aux exigences du Conseil des droits de l'homme, d'une part, et puis d'autre part qu'il témoigne de la volonté politique du gouvernement pour faire en sorte que les droits de l'homme et la situation des droits de l'homme s'améliorent si c'est nécessaire et surtout répondre aux engagements qu'il a déjà pris auprès du Conseil, à savoir restaurer l'état de droit et assurer la promotion et la protection des droits de l'homme sur tout le territoire pour tous les citoyens. Depuis le premier passage du Togo devant le Conseil des droits de l'homme en octobre 2011, des progrès significatifs ont été faits en matière des droits de l'homme. Cependant, les défis restent encore à relever. Au cours du premier passage du Togo, il y a eu 133 recommandations qui ont été formulées par le Conseil des droits de l'homme. Le Togo en a accueilli favorablement 123 et en a rejeté 10 pour des raisons de non-conformité avec nos valeurs culturelles et traditionnelles. Donc, le Togo, pendant les 4 ans et demi, entre 2011 et 2016, doit se faire évaluer sur la base des progrès qu'il a réalisés par rapport à ces recommandations-là, qui se situent dans les divers domaines. C'est cette évaluation qui va être réalisée. Et le Conseil des droits de l'homme va voir si réellement on est arrivé à satisfaire à ces recommandations qui ont été formulées à l'endroit du Togo en 2011. C'est un examen auquel le Togo sera soumis par rapport à l'évolution des droits de l'homme dans notre pays. Et si le passage est satisfaisant, cela veut dire que nous serons encore bien notés et toute la communauté internationale reconnaîtra que le Togo est sur la bonne voie. Pour ce deuxième passage, le Togo veut faire mention honorable. L'enjeu est donc de taille. Voilà pourquoi il se fait accompagner dans cette démarche par l'Organisation internationale de la francophonie. Le mécanisme d'examen périodique universel, l'IFIA a énormément contribué et tient à ce que ces pays membres puissent devenir champions dans l'application des droits de l'homme. L'application des droits de l'homme participe à la bonne gouvernance. L'élection du Togo comme membre du Conseil des droits de l'homme en octobre 2015, son admission au programme Seuil du Millennium Challenge à compte et sa désignation comme État pilote des objectifs de développement durable illustrent bien que les droits de l'homme sont en marche au Togo. En octobre prochain, il sera question pour le Togo de confirmer sa volonté de poursuivre le processus de mise en œuvre des droits de l'homme pour le bien des populations. Le 29 mai de chaque année est célébrée la Journée internationale
des casques bleus au Togo. L'événement est célébré en différé ce lundi à travers une conférence débat placée sous le thème « Mission des casques bleus et développement », une initiative du Forum togolais de la société civile pour le développement qui veut, par cette rencontre, rendre un hommage aux casques bleus togolais qui ont perdu leur vie pour la cause de la paix dans le monde et au Mali hier. Eric Djanipo, Silver Abdou. Des milliers de militaires, policiers et civils participent aux opérations de maintien de la paix dans le monde. À cette mission, certaines perdent leur vie. Pour leur rendre un ultime hommage, le 29 mai a été instituée Journée internationale des casques bleus par l'Organisation des Nations Unies. La célébration de cette journée est marquée au Togo par une conférence débat autour de la thématique « Mission des casques bleus et développement ». C'est une démarche du Forum togolais de la Société civile pour le développement, FTSCD. Juste pour rendre hommage à nos différents ou bien à nos braves militaires qui sont sur les champs de bataille et aussi honorer la mémoire de nos frères qui perdent leur vie sur ces champs de bataille. Célébration de la mission qui a un corrélatif avec le développement, cela s'avère indispensable, d'autant plus que tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement dans toute nation. Cette journée est célébrée au Togo depuis 2012. La rencontre a permis également aux différents acteurs et partenaires de saluer le professionnalisme, l'abnégation, le dévouement, le sens de devoir dont les contingents togolais ne cessent de faire preuve au cours des missions de maintien de paix à travers le monde. Un hommage mérité a été rendu aux 5 militaires qui sont tombés au Mali. Le Togo participe donc depuis plusieurs années aux opérations de maintien de la paix en Afrique. D'importants contingents de forces de défense et de sécurité sont déployés pour contribuer à cette opération onusienne. Qu'est-ce qu'une opération de maintien de la paix et quelle est concrètement la contribution de notre pays à ce processus? Sylvain Abdou nous en dit plus dans le dossier de cette édition. Environ 1000 unités des forces de défense et de sécurité sont déployées chaque année par le Togo pour contribuer au rétablissement de la paix dans les pays touchés par une instabilité politique. Entre autres pays, le Soudan, la RDC, le Mali, la Centrafrique et bien d'autres. Il y a quelques jours, une unité composée de 140 policiers, gendarmes et de sapeurs-pompiers a quitté le Togo pour une mission de préservation de la paix au Darfour. Ces troupes sont envoyées à la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies qui adopte une résolution à cet effet après que les belligérants n'aient pas pu s'entendre. Le Conseil de sécurité adopte une résolution demandant le déploiement de troupes de maintien de la paix sur le terrain. Leur mission est de servir de force tampon dans des conflits pour permettre aux belligérants de s'asseoir, de dialoguer pour amener la paix dans les conflits qui les opposent. Lorsqu'on parle de force de maintien de la paix, on parle des casques bleus. Et le Togo joue un rôle important dans ce processus avec le déploiement de ses troupes. À travers ses opérations onusiennes, le Togo est cité ces dernières années comme l'un des principaux pays contributeurs africains au maintien de la paix en termes de personnel. La contribution du Togo dans ces opérations est de plus en plus importante. Vous savez qu'il y a un centre à Lomé qui a pris beaucoup d'ampleur. Et le Togo est aujourd'hui parmi les
principaux États pourvoyeurs de troupes. Le Togo fournit chaque année un peu plus de 1500 éléments qui vont sur les terrains. Et aujourd'hui, il y a des Togolais au Mali, il y a des Togolais en Haïti, il y a des Togolais en RDC, etc. Aussi bien sur le plan militaire que sur le plan civil. Parce que quand on vous parle des forces de maintien de la paix, il ne faut pas croire que c'est seulement des militaires ou bien des policiers qui sont sur le terrain. Il y a également les civils. Et parmi ces civils-là, il y a ce que vous connaissez comme étant des civils que nous appelons les internationaux, mais également des nationaux. L'apport du Togo est apprécié à sa juste valeur. Vous savez que le Togo a déjà fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies à plus de deux reprises déjà. Donc, c'est vous dire l'importance croissante du Togo à travers le monde entier, déjà à travers ce qui se fait sur le terrain. L'engagement du Togo dans les opérations de maintien de la paix a débuté en 1981 avec un déploiement d'environ une centaine de soldats au Tchad. Cela s'est poursuivi progressivement jusqu'en 1990, année au cours de laquelle le Togo enverra successivement des troupes en Namibie, au Rwanda et en Guinée-Bissau, ce qui lui confère le statut de membre permanent dans les années 2000. Ainsi, en 2003 et 2004, le Togo a connu un accroissement sensible de ses troupes avec un déploiement simultané des militaires en Côte d'Ivoire, au Libéria et au Burundi. Ces efforts ont balisé la voie à la création au Togo en 2009 du Centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, un centre appelé à permettre aux différentes troupes de développer une adaptabilité à toute forme d'opération sur le terrain. L'autre actualité, c'est ce verdict historique tombé ce lundi du côté de la Cour spéciale de Dakar. Pour la première fois, un ex-dirigeant africain est condamné par des juges africains. L'ancien président tchadien Hissène Habré a été reconnu pour crime contre l'humanité. Il est condamné à la prison à vie. Quelques mains levées, des cris de victoire. Le verdict vient de tomber. La Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Hissène Habré reste impassible pour la fin de 10 mois de ce procès historique. Une image restera gravée, celle en juillet dernier d'un ancien dictateur de 73 ans se débattant pour ne pas s'asseoir devant ce tribunal qu'il récuse. Un criminel déchu, opposé de toutes ses forces au jugement des hommes. Le président du tribunal spécial, le burkinabé Berdao Gustaf Kam, n'aura rien obtenu de cet homme accusé des pires exactions. C'est la Chambre qui a ordonné qu'on vous amène devant tel. Soit, mais en attendant, c'est elle qui a la charge de vous juger. Et tout ce qu'il n'a pas dit a donc été retenu contre lui. Habré est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, de torture et d'exécution, mais aussi d'esclavage et de viol, suite au témoignage d'une victime. Cette condamnation est l'aboutissement de 25 ans de travail. Aujourd'hui sera gravé dans l'histoire comme le jour où une groupe déterminée de survivants a réussi à traduire en justice leur dictateur. Après ces condamnations, va venir le temps des réparations. Les demandes des victimes vont être examinées, même si les juges doivent encore définir les procédures. Et puis une question restera en suspens. Qu'en est-il des soutiens d'Habré au plus fort de sa dictature ? L'ancien chef d'État était tout seul devant la justice.
pourtant en dehors de ses subordonnés locaux, la France et les États-Unis appréciaient à l'époque de pouvoir compter sur Abré, ennemi comme eux, du dictateur libyen Muammar Kadhafi. Libre et démocratique. Au Nigeria, un an après son arrivée au pouvoir, le président Muhammad Buhari a entamé des négociations pour tenter de résoudre la crise dans le delta du Niger. Il a décidé de relancer le processus d'amnistie des anciens activistes de la région pétrolifère qui réclament depuis des années notamment une meilleure répartition de la manne de l'État. Le Togo célèbre en différé la journée mondiale de la diversité biologique demain mardi. Cette célébration coïncide avec la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Les thèmes retenus sont respectivement intégrer la biodiversité pour le maintien des populations et leurs moyens de subsistance et mettons fin au braconnage et au commerce illégal. En prélude à ce double événement, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a livré un message qui fait état des mesures prises par le gouvernement pour la préservation de la biodiversité. Décryptage avec Elodie Echri et Chassinambaga. Déforestation, braconnage, pêche illicite. La biodiversité est partout menacée par l'action anthropique. Or, les ressources biologiques et les grands ensembles naturels qu'elles constituent restent les principaux supports de tous les systèmes de vie et de production. Elles conditionnent également le niveau de vie de la quasi-totalité des populations sur la planète. Voilà pourquoi la communauté internationale appelle, dans le contexte de la célébration de la journée de la diversité biologique, à intégrer la biodiversité pour le maintien des populations et de leurs moyens de subsistance. La biodiversité est le fondement de la vie et des services essentiels fournis par les écosystèmes. Elle sous-tend les moyens de subsistance des populations et le développement durable dans tous les secteurs d'activité, notamment les secteurs économiques tels que l'agriculture, la foresterie, les activités de pêche et de tourisme. En freinant la perte de la biodiversité, nous investissons dans les populations, dans leur bien-être, dans leur vie. Le Togo fait partie des pays qui ont compris très tôt la nécessité de préserver et de conserver son patrimoine naturel de biodiversité. Cette prise de conscience précoce s'est traduite par des mesures juridiques, opérationnelles et de nombreuses initiatives prises par le gouvernement. En effet, les projets renforcement du rôle de conservation du système national d'aires protégées, la création des réserves de biosphère transfrontalière du delta du Mono et gestion intégrée des catastrophes et des terres appuient à l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion des aires protégées et des zones humides. Malgré tous les efforts consentis, la biodiversité continue de s'éroder au Togo. C'est pourquoi le gouvernement, à travers mon département, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, met l'accent cette année 2016 sur la sensibilisation et l'éducation de toutes les couches socio-professionnelles à tous les niveaux, afin de prendre davantage conscience de l'importance de la biodiversité pour son bien-être. La célébration de la journée de la biodiversité au Togo sera couplée avec celle des oiseaux migrateurs. Des actions sont prévues à cet effet pour mettre en exergue la nécessité de mettre fin au braconnage et au commerce illégal de ces espèces. Ce communiqué à présent, c'est un communiqué qui donne le programme du lancement officiel de la journée
de l'arbre cette année 2016. Mercredi 1er juin 2016, cérémonie officielle de lancement. Lieu à Dido Gomé, en face de l'Ecobank à Dido Gomé sur la nationale numéro 5. À 5h45, arrivée des membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale. 6h, arrivée de Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 6h15, arrivée de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. 6h30, cérémonie de mise en terre des plans. Le Premier ministre procédera donc à la mise en terre suivie du président de l'Assemblée nationale et des membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale. 8h, fin de la cérémonie et départ des autorités. Et nous terminons ce journal avec l'actualité du jour. C'est cet entretien entre le président Forest Zimna Nyazingbe et son homologue chinois Xi Jinping, à l'occasion donc de la visite d'État du président de la République en Chine. Et le numéro 1 chinois s'est engagé à aider le Togo à assurer son développement. Il a annoncé une série d'initiatives, parmi lesquelles une annulation partielle de la dette et la révision des taux de prêt et l'octroi d'un don de 18 milliards de francs CFA en faveur de l'agriculture. Et en marge de la rencontre, deux conventions de financement ont été signées pour, entre autres, l'extension de l'aéroport international Nyazingbe et Yadema et la construction du barrage hydroélectrique d'Adjarala, un projet commun au Togo et au Bénin. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.